Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à tous les frères qui nous posent des questions et toutes les sœurs afin de comprendre la saine doctrine, la meilleure doctrine qui a des belles promesses. Merci Seigneur Jésus-Christ. Frère, aujourd'hui, je suis venu vous parler sur l'excès des ailes. L'excès des ailes. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens aujourd'hui, l'excès des ailes. Tout le monde se prend maintenant pour un orgueilleux, un connaisseur. Tout le monde veut connaître toutes choses, l'excès des ailes. Les gens oublient que nous sommes différents dans la vie. On n'a pas tous les mêmes dimensions dans la vie physique et dans la vie spirituelle. L'excès des ailes. Surtout les nouveaux prédicateurs, les jeunes prédicateurs. Excès des ailes, la vantardise, l'orgueil. Frère, dans la saine doctrine, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'excès des ailes, il n'y a pas de compétition. Jamais. On est libre dans la saine doctrine, frère. Moïse a raté la terre promise. À cause de quoi? L'excès des ailes. Il a raté la terre promise. L'excès des ailes. Dieu a dit à Moïse, Moïse va parler au rocher et de l'eau sortira du rocher. Moïse est parti frapper le rocher. Après, moi, c'est moi qui ai fait. C'est moi, l'excès des ailes. Dieu a dit, tu n'iras pas dans la terre promise. Il a raté la terre promise. Excès des ailes. Le diable et les démons ont été chassés du ciel. À cause de quoi? Mes bien-aimés, à cause de quoi? L'excès des ailes. L'excès des ailes, mes bien-aimés, est un signe d'égarement. Si vous avez l'excès des ailes, vous êtes un égaré. On doit vous délivrer. On doit vous délivrer. Frère, si vous êtes orgueilleux, vantard, on doit vous délivrer. Vous n'êtes pas brisé. L'excès des ailes. Vous n'êtes pas brisé. On doit vous délivrer. Vous avez un problème, frère, d'égarement. Vous êtes un incirconcis. On doit vous délivrer l'excès des ailes. Vous voulez corriger même vos aînés dans la foi qui marchent dans la saine doctrine. L'excès des ailes. On doit vous corriger. Il y a un frère qui est au Congo RDC qui m'appelle. Frère Armando, un jeune frère. Frère Armando, moi aussi je vais être comme toi. Hein, frère? C'est dur. C'est dur, hein? Excès des ailes. Donc, vous voulez être déjà au sommet sans pourtant commencer en bas. On doit d'abord commencer avec le lait. Après le lait, on va manger la nourriture solide. Mais vous avez d'abord des problèmes avec le lait spirituel. Vous voulez déjà manger la nourriture solide. Donc, c'est comme si quelqu'un qui n'a même pas fait l'école maternelle, la première classe à l'école primaire, mais tu veux déjà aller étudier à l'université. L'excès des ailes. Vous êtes trop désorgueillés maintenant aujourd'hui. Les prédicateurs, les jeunes prédicateurs, les chrétiens, l'excès des ailes. Il y a même plusieurs sœurs, les sœurs en Christ et les soi-disant. Vous êtes d'abord des impolis et vous voulez passer dans les médias pour donner des conseils aux gens. Alors que vous-même, vous êtes des impolis, excès des ailes. Parce que vous voulez comprendre. En fait, les gens pensent que le fait d'écouter la voix de Dieu, alors tu connais déjà tout, tu ne peux plus respecter les gens, excès des ailes. On va d'abord prier, mes frères. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour tout, toi qui es le maître. Béni, garde, protège, sois avec nous. Dirige ton peuple, sois avec ton peuple, car nous connaissons, Seigneur Jésus, en partie. Toi qui es maître, puissons nous en supplier et nous disons. Amen. L'excès des ailes vous fera manquer plusieurs grâces, plusieurs bénédictions, plusieurs récompenses. Te fera manquer à cause de l'excès des ailes. Moïse a raté la terre promise. À cause de quoi? L'excès des ailes. Les enfants d'Israël ont raté. Ils ont raté, ils ont manqué. Ils ont perdu la grâce. À cause de quoi? L'excès des ailes. Frère, avec l'excès des ailes, vous ne pouvez pas aller loin dans la vie. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux.
mais il fait grâce aux humbles. Si vous êtes orgueilleux dans la vie, Dieu va vous résister. Dieu va vous tailler. Il va vous tailler et il va vous diminuer. L'excès des ailes. Jésus-Christ, celui qui est le maître de tous les temps et de toutes les circonstances, humble, il est venu ici dans la, sur la terre. Il a accepté d'aller dans l'eau du Jourdain afin que Jean-Baptiste puisse le baptiser. Vous voyez l'humilité. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Il est humble, mais il est Dieu le Père. Il est plus que Jean-Baptiste, mais il a accepté que Jean-Baptiste le baptise parce qu'il est humble. Maintenant, vous, ah frère, tu connais seulement deux versets bibliques. Tu n'as que deux versets bibliques. Matthieu 7, 7 et Galates 6, 6. Mais tu veux déjà créer déjà. Non, déjà une église. On te voit déjà là, non, je suis déjà pasteur. Mais frère, tu es déjà pasteur, tu connais quoi déjà? Avec deux versets bibliques. L'excès des ailes. L'excès des ailes, frère. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée? 1 Timothée 5, 22. Il dit, Timothée, n'impose les mains à personne par précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Frère, vous avez la précipitation. C'est la précipitation qui fait de vous l'excès des ailes. La précipitation. Tu vas dans un groupe de prière. Tu vas dans un groupe de prière pour apprendre la parole. Tu n'as même pas fait une semaine. Toi, c'est là-bas. Bon, je suis déjà apôtre. Je suis déjà apôtre. Mais frère, tu n'as même pas trois versets bibliques. Tu veux déjà être apôtre. Oh non, je suis ex-sataniste. Quelqu'un qui était sataniste hier, aujourd'hui, il est déjà diacre. Il est déjà diacre. Mais frère, toi qui étais un ex-sataniste, même pas deux semaines, tu es déjà apôtre. Excès des ailes. Il y a trop, mes frères. Excès des ailes. C'est trop. L'homme riche est parti auprès de Jésus. L'homme riche. Il va à Jésus, dit, Seigneur, que puis-je faire pour hériter le royaume? Jésus dit à l'homme riche, ok, tu dois d'abord observer la loi. Ah, l'homme riche. Excès des ailes. Il dit, oh, je connais déjà la loi. Je connais déjà tout. Jésus dit, oh, tu dois observer la loi. Il dit, je connais déjà tout. Honore ton père et ta mère. Je connais déjà. Excès des ailes. Les vantards. Honore ton père et ta mère. Il dit que je connais déjà. Oh, tu ne commettras point d'adultère. Je connais déjà. Excès des ailes. Jésus dit, ok, ça va. Comme tu as l'excès des ailes, tu es un vantard. Jésus doit le tailler. Jésus l'a taillé. Parce que vous êtes trop des orgueilleux. Jésus doit vous tailler. Jésus dit, ok, puisque tu connais déjà toute la loi, alors va vendre tous tes biens. Tout ce que tu as là, va vendre ça. Et quand tu vas vendre ça, prends l'argent, va donner là-bas. Ne garde pas ça, va donner là-bas. Il dit, oh non, 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 non. Il a fui, il est parti. Voilà. On doit vous tailler. L'excès des ailes vous fera perdre plusieurs récompenses. L'excès des ailes vous fera perdre, mes frères, des bénédictions, des cadeaux, des récompenses. L'excès des ailes. Dans la vie, il faut être humble. Il y a même un frère qui a voulu nous contredire dans la parole. Il dit que non, frère Armando, les fruits de l'esprit n'existent pas. Il n'y a que les fruits d'âme. Ou soit les fruits de l'âme. Ah, mes frères, c'est dur, hein? C'est dur. Donc, quelqu'un qui n'a que deux versets bibliques, mais tu veux déjà être berger avec deux versets bibliques. L'excès des ailes. Non, moi aussi j'entends la parole de Dieu. Dieu aussi me parle. C'est triste, hein? Ce n'est pas parce que Dieu te parle et que tu es déjà mature, non? Dieu peut te parler, mais tu n'es pas mature. Tu n'es pas mature, mais Dieu te parle. Tu n'es pas mature. L'excès des ailes. L'excès des ailes. Quelqu'un qui n'a même pas le respect de ses frères et de ses sœurs. Mais vous voulez donner des conseils aux gens. Ça veut dire quoi ça? L'excès des ailes. Que dit la parole dans 2 Jean? 2 Jean 1, 9. Quiconque va plus loin
et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Mais oui, quiconque va plus loin. Aller plus loin, c'est quoi? Mais c'est ça, excès de zèle. Vous voulez aller loin. La saine doctrine est là, mais vous voulez dépasser la saine doctrine. Vous venez dans la saine doctrine avec des choses qui ne correspondent même pas à la parole. Mais frère, l'excès de zèle, vous voulez maintenant dénoncer maintenant tout le monde. Donc, ça ne vous reste qu'un jour de dénoncer même l'archange Michel. Vous allez dénoncer même l'archange Michel. Parce que vous voulez maintenant dénoncer maintenant tout le monde. L'excès des ailes maintenant. Voilà, l'excès des ailes. C'est bizarre. Mes frères, le moi, vous fera perdre le salut. Plusieurs personnes iront en enfer comme ça. Moi, mon église. Oh, mais est-ce que l'église t'appartient? Mon église, l'église ne t'appartient pas. Mes fidèles, non. Les fidèles ne t'appartiennent pas. Les fidèles sont à Jésus. Oh non, c'est mon troupeau. Non, c'est pas ton troupeau. Le troupeau est à Jésus, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Mon église, ce n'est pas ton église. L'église est à Jésus. Mon église, ça vous fera perdre, mes frères. L'excès des ailes. Dans la vie chrétienne, dans la sainte doctrine, il faut être humble. C'est ça la sainte doctrine. Tu es humble. La sainte doctrine. Il faut être humble dans la sainte doctrine. Il faut être humble dans l'évangile de Jésus. L'excès des ailes, frère, vous fera manquer plusieurs choses. Il faut que vous vous assurez que vous-même, vous êtes d'abord sûr. Avant de venir dans les médias pour parler de Jésus. Vous venez dans les médias pour parler de Jésus, mais vous-même, vous êtes encore faible spirituellement. Vous voulez donner les gens les exhortations, alors que vous-même, vous êtes des impolis. Mon frère, il y a plusieurs sœurs maintenant qu'on voit ici dans les réseaux sociaux. Vous-même, vous n'êtes même pas soumise à la maison. Vous voulez donner des leçons aux gens. Quelles leçons que vous avez données aux gens? Mon frère, c'est bizarre. Donc, c'est tout le monde maintenant qui a fait l'esprit de l'autre, l'esprit d'autorité de parler, l'esprit d'autorité. C'est tout le monde maintenant qui veut parler, l'esprit d'autorité. Vous n'êtes même pas prêt. Donc, tout le monde veut enseigner la parole. Tout le monde veut enseigner la parole. C'est triste, mes frères. L'excès des zèles qui fait ça. L'excès des zèles. Plusieurs personnes pensent que non, moi aussi j'écoute la voix de Dieu, alors je suis déjà prêt. Non, écouter la voix de Dieu ne te fait pas mature. Non. Tu ne deviens pas mature parce que tu écoutes la voix de Dieu. Tu n'es pas mature. Non, c'est pas ça. On doit d'abord te former par l'Esprit Saint, premièrement. Et tu dois apprendre par ceux qui ont été établis. Parce que la parole de Dieu le confirme. Efforcez-vous d'ajouter à votre foi la connaissance. Tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas de connaissance. C'est très important. Tu peux avoir la foi en Jésus, mais tu n'as pas de connaissance. Est-ce que vous voyez ça? Plusieurs personnes sont comme ça. Ils ont la foi en Jésus, mais ils n'ont pas de connaissance. Ils sont nombreux qui sont comme ça. Mais comme l'excès des ailes. Voilà. Non, moi, je ne veux plus écouter les hommes. Je ne veux plus écouter les gens. Moi, c'est Jésus que je veux écouter. Ah bon? L'excès des ailes. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs ex-satanistes. Moi, j'étais ex-sataniste. Aujourd'hui, déjà, il est apôtre. Oh, mais tu étais ex-sataniste. Donc, le fait de quitter du diable, tu es déjà devenu un apôtre, ex-sataniste, apôtre. Donc, vous croyez que c'est tout le monde qui peut devenir un homme de Dieu? C'est tout le monde. Mais non, mes frères, voilà pourquoi il y a beaucoup de dérapages qui se passent dans les églises. Il y a beaucoup de dérapages dans les églises parce que vous avez l'excès des ailes. Vous voulez en fait, vous mettre dans l'évangile de Jésus sans pourtant avoir des bases. Et vous créez alors des dégâts. Thank you.
Vous voyez des églises comme ça? Ce sont des églises comme ça. Quelqu'un qui n'est pas encore assis dans la parole. Tu n'es pas encore mature dans la parole. Tu ne connais pas encore la parole. Tu n'as pas encore la maturité spirituelle. Mais tu veux déjà être pasteur. L'excès des zèles. C'est ça qui vous fait mal. Et ça vous fera mal. Parce que vous conduisez le peuple de Dieu à l'enfer. Et vous-même aussi, vous irez là-bas. Parce que vous ne voulez pas apprendre. Au lieu d'apprendre, non. Vous êtes tellement des orgueilleux. Vous voulez faire les choses avec précipitation. C'est pas comme ça. On ne peut jamais se précipiter dans les choses. C'est doucement qu'on doit évoluer dans le Seigneur, mes bien-aimés. Dans le Seigneur, on doit aller doucement. Il ne faut jamais précipiter l'évangile de Jésus. Dans la sainte doctrine, il ne faut jamais être, en fait, dans la précipitation des choses. C'est pas comme ça. Tu vas mal tomber. Tu vas mal tomber. Tant que Dieu ne t'a pas appelé dans le ministère, ne te mets pas dans le ministère, tu vas tomber. Tu vas tomber. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs personnes qui créent des cellules de prière, mais lui-même, il n'est pas fort. Il ne connaît pas la parole. Et vous qui suivez ces gens-là, vous partez tous vers, mes frères. Vous irez vers. Parce que vous n'êtes pas assis. Qu'est-ce que vous faites ça? L'excès des ailes. Vous croyez connaître alors que vous ne connaissez rien. Vous croyez être sage à vos yeux alors que rien. C'est un vide. Excès des ailes. Mes bien-aimés, plusieurs personnes iront dans l'enfer à cause de l'excès des ailes. Plusieurs vont perdre le salut. Plusieurs vont perdre les récompenses, excès des ailes. Parce que vous voulez, en fait, vous voulez arriver à l'étape de certaines personnes sans pourtant avoir des bases avant d'arriver là-bas. Tu ne sais pas d'où la personne est passée. Comme aujourd'hui, il y a plusieurs personnes maintenant qui appellent le frère Armando. Plusieurs. Frère Armando, moi aussi je vais être comme toi. Frère Armando, moi aussi je vais donner des enseignements. Frère Armando, moi aussi... Oh, mes frères. Mais ce n'est pas au hasard. Hein? Donc, vous croyez que c'est un hasard. Hein? Hein? En fait, je dormais, puis pouf, je me suis réveillé. Bon, je suis docteur de la parole. C'est un hasard. C'est pas un hasard. On doit t'appeler. Hein, frère? On doit t'appeler. Le Seigneur doit t'appeler. Le Seigneur doit te faire passer par des étapes difficiles de la vie. Hmm? Il faut que tu passes les étapes difficiles de la vie. Tu dois être mature. Le Seigneur doit te faire mûrir. Ce n'est pas seulement de biton blanc. Moi aussi, non. L'excès des ailes. Ça fera mal à plusieurs personnes. L'excès des ailes, mes bien-aimés. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes créent. Vous créez des églises, mais alors que vous-même, vous n'êtes pas encore assis dans la parole. Quelqu'un qui n'a que deux versets bibliques. Matthieu 7, 7. Galates 6, 6. J'ai déjà une église. Mais non, tu n'es pas encore assis. Tu n'es pas encore assis dans la parole. Avant de créer une église. L'excès des ailes. Qui fait ça? L'excès des ailes. L'excès des ailes. L'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, n'impose les mains à personne par précipitation. Mais oui, aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs bergers qui se sont précipités. Ils se sont précipités. On vous voit maintenant aujourd'hui, avec, en fait, vous êtes en pleine église sur les pirogues. Oh, mes frères, moi je ne sais pas, ça c'est l'arche. C'est l'arche de Noé. Hmm? L'arche de Noé. Ah! C'est triste, hein? L'excès des ailes mènera plusieurs personnes en enfer. Frère, l'excès des ailes, c'est un signe d'égarement. Si vous avez l'excès des ailes, on doit vous délivrer parce que vous êtes égaré. Vous êtes égaré. Vous êtes une brebis perdue. On doit vous récupérer. Et vous affermir dans la parole.
Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. Mes frères, les visions. Faites attention aux visions. Frère Armando, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'étais en train de combattre avec les crocodiles et les chimpanzés. Hein, dans la vision, c'était un combat avec les crocodiles, les chimpanzés. Alors, je me suis réveillé. J'ai compris que Dieu m'a donné un ministère. C'est le ministère du combat spirituel. Attention à vos visions-là. On ne peut jamais devenir pasteur parce que tu as eu une vision. Ah, j'ai eu une vision. Bon, je suis maintenant pasteur. J'ai eu une vision. On m'a donné le ministère du combat spirituel. Frère, on ne peut jamais se lancer comme ça dans le ministère. On ne peut pas se lancer comme ça dans le ministère. Donc, c'est comme si vous êtes des parachutes. On vous fait tomber du ciel et vous partez tomber, on ne sait pas où. C'est pas comme ça. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est pas comme ça. Dans l'évangile, il y a un certain ordre. Il faut que le Seigneur vous appelle et vous donne et le ministère et le message et la mission. C'est ça l'évangile de Jésus. C'est ça la saine doctrine. C'est ça les enseignements des apôtres. Tu dois avoir le ministère, le message à donner à l'église et la mission. Mais vous, non? Non? Tu n'as qu'un verset biblique. Malachie 3:10. Alors, je suis déjà apôtre. Apôtre. Vous n'êtes pas encore assis? Excès de zèle. Ça fera mal à plusieurs personnes. Hein? Excès de zèle. C'est l'excès de zèle qui fait ça. Même les sœurs d'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux. Faites attention dans les réseaux sociaux. Hein? Les sœurs que vous voyez là. Il y a maintenant plusieurs sœurs là qui sont maintenant dans les réseaux sociaux. J'ai eu une vision. Dieu m'a parlé. Dieu a eu une vision, Dieu m'a parlé. Ce qu'ils disent, ou soit ce qu'elles disent, est en contradiction avec la parole. Ça ne marche pas. Comment est-ce que vous dites des choses qui contredisent la parole? Est-ce que Dieu peut être contradictoire? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu peut être contradictoire? Alors, vous nous donnez les visions qui sont contraires à la parole. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que vos visions correspondent à la parole. Vos visions doivent se marier avec la parole. Quand vos visions ne se marient pas avec la parole, nous comprenons que c'est l'excès de zèle. C'est l'excès de zèle. On doit vous délivrer. D'abord, vous-même, vous n'avez même pas la soumission. Vous êtes des impolis. Et vous voulez donner les gens les exhortations. Quelle exhortation que vous allez donner aux gens si vous-même, vous êtes des impolis? Hein? Vous allez donner quelle exhortation aux gens? Hein, frère? L'excès de zèle. Ce n'est pas le fait d'écouter la voix de Dieu. Je connais déjà. Non, c'est pas ça. L'apôtre Pierre a dit dans la parole, efforcez-vous d'ajouter à votre foi la connaissance. Il faut ajouter la foi à la connaissance. Ce n'est pas, moi j'ai la connaissance. Non, ce n'est pas, moi j'ai la foi, j'écoute la voix de Dieu. J'ai la connaissance. C'est pas ça. C'est faux. C'est faux, mes frères. C'est faux. Ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui tu as eu une vision. Tu as une vision. Tu étais en train de parler avec les chimpanzés dans une vision. Oh, frère Armando, j'ai eu une vision. Je parlais avec des chimpanzés. Alors, Dieu m'a appelé. André, c'est le ministère. Il faut que je sois pasteur. On m'a appelé. Je dois commencer à prêcher. C'est pas ça. Ça, c'est pas le longtemps, frère. Le ministère. Hein? C'est triste, hein? Alors, vous créez des églises. On ne sait pas les églises que vous créez là. La parole de Dieu n'est même pas assise. Vous ne connaissez même pas les fondements des apôtres. La saine doctrine, l'excès des ailes. C'est l'excès des ailes qui fait ça. L'excès des ailes. Le fait d'écouter Dieu. J'ai écouté la voix de Dieu. Dieu m'a parlé. J'ai écouté Dieu m'a parlé. Voilà, tu es déjà complet. Tu es complète. Complet. Et on vous voit là en train de prendre les femmes. Les femmes qui deviennent des pasteurs. On ne sait pas s'ils sont des pasteuses, les pasteresses, on ne sait pas quoi là. L'émancipation de la femme. C'est triste, hein?
L'émancipation de la femme. Donc, vous donnez même l'autorité à la femme. Vous donnez l'autorité à la femme. Et plusieurs de ces femmes sont des soi-disant chrétiennes et des soi-disant chrétiennes. Une femme chrétienne qui... Mais frère, ça c'est quoi? Une femme chrétienne mais qui est insoumise d'abord à son mari. Une femme impolie d'abord. Le mari parle, elle aussi parle. Le mari parle, elle aussi parle. Allez-vous, venez là. Dieu m'a dit... Dieu t'a dit quoi si tu es impoli à la maison? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu m'a dit... Dieu t'a dit quoi? Si d'abord à la maison là-bas tu es impoli, tu ne respectes pas les gens, Dieu m'a dit quoi? Vous ne voyez pas que ça contredit la parole? C'est à cause de vous que la parole de Dieu est blasphémée par les païens? Mais oui, parce que vous voulez créer des ministères par rapport à des rêves. Par rapport à des rêves. Tu rêves, tu étais en train de courir et tu appelles le frère Armando. Frère Armando, j'ai fait un rêve. J'étais en train de courir dans la forêt. J'ai couru dans la forêt. Après, j'ai vu une rivière. Je suis parti me plonger dans la rivière. J'ai compris que c'est la délivrance. Dieu m'a donné la délivrance. Vous interprétez d'abord mal vos visions là, ou vos rêves là. Donc vous voulez créer, en fait, vous voulez bâtir des ministères avec vos visions. Excès des ailes. Frère, l'excès des ailes mènera plusieurs personnes en enfer. Plusieurs personnes vont rater le paradis à cause de l'excès des ailes. Voilà pourquoi les vierges folles vont rater le paradis. Excès des ailes. On vous a toujours dit que dans la parole de Jésus, dans la sainte doctrine, on ne peut pas pratiquer ce que Moïse avait là-bas. Non, il faut venir avec les habits sacerdotaux. Donc vous avez pris les habits sacerdotaux, vous venez avec les habits sacerdotaux dans la sainte doctrine. Les habits sacerdotaux. Vous donnez même les femmes sont devenues des pasteurs, donc des pasteuses. Dans la saine doctrine. Et on vous voit là, vous tous, vous devenez des pasteurs. Tout le monde devient pasteur. Mais mes frères, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est tout le monde qui devient pasteur. J'étais ex-sataniste, je suis maintenant apôtre. J'étais ex... Mes frères, maintenant les ex-lota et ex-impudiques. Les ex-impudiques, les ex-masturbateurs... Les ex-adultères. Donc, tout le monde va devenir pasteur, apôtre, bishop. Vous créez maintenant des ministères. Non, je suis bishop. Bishop, c'est quel ministère? Bishop. Je suis archi-bishop, archi-évêque. Donc, des ministères qui n'existent même pas dans la sainte doctrine. Qu'est-ce qui vous fait ça? L'excès des ailes. L'excès des ailes, mes frères. Plusieurs personnes iront en enfer à cause de ça. L'excès des ailes. Parce que vous voulez tout comprendre au même moment. Et les hommes et les femmes, on est tous là, l'excès des ailes. Plusieurs sœurs aujourd'hui, plusieurs sœurs dans les réseaux sociaux, vous allez constater, mes frères, vous allez constater que il y a même des sœurs, des soi-disant sœurs en Christ, qui ne sont pas encore assises à la parole. Qui ne sont pas encore au fait dépouillés par leur ignorance. Parce que vous êtes seulement là, non, le dépouillement. Mais oui, le dépouillement, ce n'est pas seulement avec les habits. C'est ça le problème. Le dépouillement, ce n'est pas seulement avec les habits. Il faut aussi dépouiller votre ignorance. Frère, l'impolitesse, il faut vous dépouiller aussi de l'impolitesse. Il faut vous dépouiller aussi de l'ignorance. Il faut aussi vous dépouiller de vos insultes là. Il faut vous dépouiller de ça aussi. Ce n'est pas seulement l'autre là, les mèches. Il faut se dépouiller des mèches. Il faut se dépouiller des rouges à lèvres. Il faut se dépouiller des ongles. Oui, c'est bon. Mais il faut aussi se dépouiller de l'ignorance. Il faut aussi se dépouiller de l'impolitesse. Il faut aussi se dépouiller du manque de soumission. Il faut se dépouiller de tout. Frère, c'est ça le vrai dépouillement. Le dépouillement intérieur et extérieur. Voilà.
C'est ça. Ce n'est pas seulement extérieurement, vous êtes dépouillé, mais à l'intérieur, vous êtes impoli. Ça n'a pas de sens. Vous êtes impoli. Non, ça n'a pas de sens, mes frères. Vous avez l'excès des ailes. Orgueilleuse. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mes bien-aimés. C'est pas ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut jamais, mes bien-aimés, avoir l'excès des ailes. Dans l'évangile de Jésus, il faut être humble. Même le Seigneur Jésus était humble. Jésus, il était humble. Mais aujourd'hui, l'excès des ailes. L'excès des ailes. Donc, vous allez même dénoncer même l'archange Michel un jour. Parce que vous voulez maintenant dénoncer maintenant tout le monde. Vous voulez maintenant dénoncer tout le monde. Donc, même l'archange Michel, vous allez aussi l'autre là. C'est triste, hein? Donc, même l'ange Gabriel, vous allez aussi le dénoncer un jour. Parce que vous dénoncez maintenant tout le monde. Tout le monde maintenant. Vous êtes aussi, même fait prêt. Un enfant de Dieu. Un homme de Dieu. Une servante de Dieu, c'est cette personne qui est humble, qui accepte les conseils des autres, qui accepte les reproches et les critiques. C'est ça un homme de Dieu. Alors quand déjà quelqu'un n'accepte pas les critiques, n'accepte pas les conseils, n'accepte pas les reproches, l'excès des ailes, mais non mon frère. Donc, l'excès des ailes vous fera perdre beaucoup de choses. Il ne faut jamais chercher à imiter les gens. Non. Dans le Seigneur, il faut nous fassions ce que l'Esprit nous demande de faire. Si l'Esprit de Dieu t'appelle, le Seigneur Jésus t'appelle pour un certain ministère, fais-le, exerce ce ministère. Mais si on ne t'a pas appelé, mais c'est toi-même. Non, moi aussi, je veux être comme toi. Ça ne va pas donner. Tu peux commencer, mais après, tu vas tomber là-bas de longtemps. Après, voilà pourquoi aujourd'hui, on emmène plusieurs pasteurs qui sont dans les sciences occultes. Mais oui, parce qu'ils ont suivi. Ils ont suivi. Il y a un papa qui était là, papa a géré. Il s'est fatigué. Il prend son fils, il remplace. Le fils là va tomber après. Parce que Dieu ne l'a pas appelé. Est-ce que vous voyez ça? Dieu n'a pas appelé ce fils-là. Et quand le fils sera là, excès des ailes. Excès des ailes. L'excès des ailes vous fera perdre plusieurs choses. Les récompenses, même le paradis, ça fera perdre plusieurs personnes, l'excès des ailes. La vantardise, l'orgueil. Mais Dieu va vous résister. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il faut être humble dans la vie. Humble. Humble. Malheureusement, aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est triste, hein, ce qui se passe aujourd'hui. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est tout le monde qui veut, alors, être devant les gens pour parler. Donc, les gens préfèrent être devant les autres pour parler, mais alors qu'ils ne sont pas encore matures. Ils ne sont pas encore prêts. Mais vous voulez seulement parler. Vous voulez seulement parler. Quand vous ne parlez pas, vous n'êtes pas libre. Excès des ailes. Excès des ailes. Donc, vous voulez là où vous êtes, vous parlez. Mais alors que vous-même, frère, plusieurs ne sont même pas matures. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, il y a plusieurs dégâts dans les églises. Il y a des dégâts. Des dégâts. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent être des leaders. Vous voulez, en fait, être des leaders, mais vous-même, vous n'êtes même pas assis. Vous n'êtes pas assise. Vous n'êtes pas mature. Dieu doit vous, l'autre vous appeler, doit vous choisir pour ce ministère-là. Hein, bien-aimé. L'excès des ailes fera perdre le salut à plusieurs personnes. Même Moïse. Moïse a raté la terre promise. L'excès des ailes. C'est important, mes frères. C'est très important. Il faut comprendre ça. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est que nous voyons dans les réseaux sociaux. Là. Si vous suivez ça, mes bien-aimés, vous irez en enfer. Hein? Plusieurs personnes vont rater le paradis à cause de vous écoutez trop. Vous voyez trop. Donc vous êtes partout des prostituées spirituelles. Vous écoutez maintenant tous les enseignements des réseaux sociaux. Ça c'est quoi? Or parmi eux, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent même pas la parole. Même pas. Dans la parole de Jésus, il faut être humble.
Un enfant de Dieu doit être humble. Voilà, humble. On l'a toujours dit. Si tu ne connais pas, prie à Jésus. Il te montrera que faire. C'est ça, un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu peut te parler. Tu écoutes la voix de Dieu. Ça, c'est le danger de plusieurs, surtout nos sœurs. Les sœurs en Christ. Le danger avec vous, c'est ça. Le fait d'écouter seulement la voix de Dieu. Excès des ailes. Je connais déjà, j'écoute Dieu, je parle avec Dieu. C'est un défaut. Un grand défaut. Le fait seulement de voir, au fait d'avoir deux visions ou trois visions. Tu es parti, je ne sais pas où. Dieu t'a parlé. Excès des ailes. Alors qu'au-dedans de vous, vous êtes encore vide. Vous êtes vide encore. Vous n'êtes même pas assise. Vous êtes encore vide. C'est un défaut. C'est un défaut. L'excès des ailes, c'est un esprit d'égarement. Ce n'est pas parce que tu écoutes la voix de Dieu et que voilà, je suis déjà complet. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même Moïse qui parlait avec Dieu comme un homme parle avec un homme. Mais c'est son beau-père Jéthro qui est venu lui dire, j'ai dit non Moïse, fais comme ceci, fais comme cela. Jéthro est venu corriger Moïse. Il a dit à Moïse, non, fais comme ceci, fais comme cela. Fais ça. Mais Moïse écoutait la voix de Dieu. Mais vous aujourd'hui, l'excès des ailes. Le fait d'écouter seulement Dieu, c'est fini. Un frère peut vous parler, non. Moi aussi, j'écoute la voix de Dieu. Alors que vous êtes là, dans l'immaturité biblique, l'immaturité spirituelle. Mais vous voulez déjà parler. L'excès des ailes, l'insoumission. Si déjà vous êtes déjà des insoumises, vous n'êtes pas respectueux, comment est-ce que vous allez parler devant l'église de Jésus? Vous allez parler devant l'église de Jésus comment? Si vous manquez du respect en commençant de vos maisons et avec vos frères, vous voulez parler l'église en quoi? Si vous-même vous êtes des impolis, l'excès des ailes. L'excès des ailes. C'est triste, hein, mes bien-aimés. C'est triste. L'excès des ailes. Vous dites des choses qui sont contraires avec la parole. Des choses qui ne correspondent pas avec la parole. Comment est-ce qu'on va vous croire à ça? Des choses qui sont contraires à la parole. Bien, frère. C'est triste, hein? C'est triste. Les jeunes prédicateurs, ne soyez pas pressés. N'acceptez pas une mission avec précipitation. On doit d'abord vous préparer. Alors vous allez me dire, non, frère Armando, c'est Dieu qui prépare. Ah, c'est Dieu qui prépare. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit ici? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Je dois vous lire le verset parce que vous ne croyez toujours pas. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Ah, ça, vous négligez, hein? Vous mettez de côté. Hein, c'est Dieu, mais oui, c'est Dieu qui doit nous préparer. Nous disons Amen. Mais quand Dieu te prépare, il y a des étapes à suivre. On a vu Samuel. Samuel, c'est Élie. Samuel a écouté la voix de Dieu. Samuel. Mais Samuel ne connaissait pas que faire. Il est parti à Élie. Élie a dit, écoute, quand tu vas écouter cette voix, tu vas répondre comme ceci, tu vas faire comme cela. Mais c'est ça. Tu peux avoir la foi en Dieu. Gloire à Jésus. Mais il faut aussi ajouter la connaissance à cette foi. Ce n'est pas seulement tu as la foi, mais tu n'as pas de connaissance. Il faut savoir comment gérer cette foi-là. La foi est insuffisante. Même la parole de Dieu confirme. La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est ce que la Bible dit. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, la foi doit être accompagnée de la connaissance. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? On va dire là, on va lire ça. Il faut ajouter la connaissance à la foi. Je suis dans la Bible. Prenons 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit ainsi. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre
à votre foi la vertu. Quand vous prenez d'autres versions, on dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la connaissance. À la connaissance, la science. À la science, la tempérance. La tempérance, la patience. C'est ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu écoutes la voix de Dieu, alors je suis déjà complet. Non. C'est pas ça. C'est pas ça, mes frères. Non. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi les ministères. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Hein, mes bien-aimés? C'est pas pour rien. C'est l'excès des zèles qui fait ça. L'excès des zèles. L'excès des zèles qui fait ça. Mais vous allez comprendre que plusieurs sont encore vides. Donc, vous voulez être des bergers et des bergères. Des bergères. Des pasteuses et des pasteresses. Donc, vous voulez contredire la saine doctrine. Vous voulez donner alors l'émancipation de la femme dans la sainte doctrine. L'émancipation de la femme. Des femmes insoumises à leur mari. Mais veulent venir ici à l'église pour donner des conseils à l'église. Alors que vous êtes des insoumises, des impolies. Non, ça ne marche pas. Il faut être conforme à la parole. Il faut être conforme à la parole. Conforme à la parole de Dieu. C'est l'homme qui a l'autorité et la femme a la soumission, qu'on le veuille ou pas. Toute femme qui refuse la soumission est une égarée. Elle est égarée, on doit la délivrer. Parce que la soumission fait partie de la parole. Hein, frère? Toute femme qui refuse la soumission, c'est une égarée. On doit la délivrer. Mais on n'a pas dit que la soumission, c'est de l'esclavage. Non, n'interprétez pas mal les choses. Non, ce n'est pas ça. La soumission n'est pas de l'esclavage. La femme mérite le respect parce que c'est elle qui consolide l'homme. C'est la femme qui donne l'équilibre à l'homme d'une manière physique, bien sûr. C'est la femme qui donne l'équilibre physique à l'homme. Bien qu'il y a Dieu qui est là, qui nous soutient, mais Dieu lui-même a dit dans la parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas pour rien que Dieu a dit ça. C'est pas pour rien que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est pas pour rien, parce que Dieu savait que l'homme ne peut pas être équilibré sans la femme. C'est pas pour rien. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a mis là une femme à côté de l'ordre de l'homme. Tu vas chercher maintenant à dominer sur l'homme. Non. La femme a la soumission. C'est l'homme qui a l'autorité. Même dans l'église, c'est la même chose. Dans l'église, c'est la même chose. Il y a plusieurs sœurs qui ont l'esprit d'autorité, qui veulent toujours être là. Non. Toi, tu es une femme. Reste dans la soumission. La soumission. L'émancipation de la femme, c'est un péché. Nous, les chrétiens, on n'a pas l'émancipation de la femme. Dans l'église, il n'y a pas l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme est un signe satanique, diabolique. La femme ne peut jamais avoir l'autorité sur l'homme, jamais. Ça, vous êtes en train de renverser les fondements de l'ordre de la sainte doctrine. Vous renversez les fondements de la sainte doctrine. C'est faux et archi faux. L'excès des zèles mènera plusieurs personnes en enfer. L'excès des zèles, on doit vous dire, frère, quelqu'un qui a l'excès des zèles, que tu sois un homme ou une femme, excès des zèles, on doit te délivrer. Parce que l'excès des zèles, c'est un signe d'égarement. Vous êtes égaré, vous êtes une égarée, l'excès des zèles. Un enfant de Dieu doit être humble. Voilà, l'humilité, c'est ça, l'humilité. Merci mes bien-aimés, je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne l'esprit d'humilité, de douceur, de tempérance. C'est ça un enfant de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de tempérance, d'humilité, de douceur, mes frères, n'a pas le Saint-Esprit. Non, parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut jamais être gonflé, vantard, excès des ailes. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Non. Tu as le Saint-Esprit, la douceur. C'est ça, la douceur. C'est ça l'évangile de Jésus. Il n'y a pas de compétition. Dans l'évangile de Jésus,
il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Je suis le meilleur. Non. Il n'y a pas de compétition dans l'évangile de Jésus. La soumission, la douceur, la tempérance, voilà, l'humilité, le respect. C'est ça l'évangile de Jésus. C'est ça l'évangile. Si vous ne connaissez pas ces bases ici, mes frères, vous êtes une égarée, un égaré. On doit vous délivrer. On doit vous délivrer. Non, moi j'écoute la voix de Dieu. Je ne peux plus écouter les hommes. Vous êtes une égarée, mes frères. Un égaré, on doit vous délivrer. Vous avez un problème sérieux. Une femme qui aime seulement, je dois parler. Tu vas parler quoi? C'est triste, mes bien-aimés. Merci, je m'arrête par ici. Que Dieu vous aide d'avoir l'esprit de douceur, de soumission, l'esprit de connaissance à la parole, afin que vous puissiez connaître la saine doctrine. Merci, Maranatha, Jésus le Maître est avec nous, avec vous, avec tous. Merci, ciao.